comme mon frère le docteur Frank Halpern l'a justement bien dit, ceci n'est pas très important. Avec l'arrivée de nouvelles énergies de façon constante sur la planète, le seul et le meilleur moyen est de vous tourner vers votre être intérieur, votre guidance personnelle. C'est tout ce qu'il y a à faire en ce moment pour se reconnaître les uns les autres. Bien sûr, je pourrais vous révéler que j'ai quelque chose de très spécial au niveau de certaines vertèbres, mais ce n'est pas ce que nous allons dire, ce que nous allons révéler à la presse venue du monde entier. Ce n'est pas ça notre travail durant cette conférence. Nous ferons autre chose. Mais si vous sentez réellement que vous êtes en provenance des étoiles, vous ne pouvez pas rester seul. Vous devez trouver les autres personnes, les autres êtres qui sont comme vous. Vous devez les retrouver et vous réunir en groupe et agir conformément au programme de la mission planétaire, celui-là même précisément pour lequel vous êtes venu vous incarner sur cette planète. Pour les personnes intéressées, un certain nombre d'informations et d'adresses vous seront données pendant cette conférence autour du monde pour vous permettre de retrouver les autres réseaux d'enfants des étoiles. Une question de l'assistance. Est-ce que les enfants des étoiles travaillent en même temps sur cette planète et sur d'autres planètes dans le même corps? À partir de maintenant, nous allons commencer à abandonner les anciens enseignements ésotériques et occultes et à apprendre et à appliquer les enseignements cosmiques, ceux-là très exactement, qui sont utilisés par nos frères et sœurs de l'espace dans tous les autres mondes de notre univers. Ainsi, vous allez pouvoir maintenant pouvoir abandonner complètement le concept du karma, le concept de la réincarnation, tous ces concepts qui étaient strictement terriens et qui étaient des outils pour l'évolution de tous les gens incarnés sur cette planète. Mais maintenant, de nouveaux outils utilisés dans l'espace sont mis à votre disposition. L'un de ces nouveaux concepts qui sont reçus et enseignés maintenant dans les centres de lumière les plus hauts des États-Unis est celui-ci. Nous avons plusieurs manifestations de nous-mêmes exactement en même temps. Ce concept signifie, pour donner un exemple, je sais que j'ai une manifestation de moi-même à New York et qu'en même temps, j'ai d'autres manifestations de moi-même dans des vaisseaux spatiaux ou sur d'autres planètes, si vous comprenez ce concept, ce nouveau concept. Ce que Frank dit, c'est que Jean-Michel essaye de nous expliquer qu'il n'est pas complètement ici, totalement.